tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo color and chat. J'étais en train de colorier mon petit écureuil et je me suis dit que ce serait cool de le continuer avec vous. Donc là, au moment où je fais la vidéo, on est le 31 décembre. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Donc moi, il est 17h49, donc on n'est pas encore passé. Mais bon, voilà, le temps que je monte la vidéo, etc., on sera en 2023. Donc je vous souhaite une très 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 bonne année. J'espère que vous allez pouvoir faire plein de colos, que niveau santé, etc., tout ira bien. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le colo. Donc je vous souhaite une très bonne année 2023 sur le coloriage et bien sûr sur tous les autres plans. Mais voilà, et puis je vous remercie énormément pour l'année 2022. J'en reparlerai dans ma vidéo des bilans objectifs, etc. Mais merci, merci, merci mille fois pour cette année. Vous m'avez énormément apporté, vous avez été énormément là pour moi. J'ai fait des rencontres géniales. Enfin voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout, tout, tout. On a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube, c'est juste trop bien. Donc voilà, merci, merci, merci pour tout. J'ai passé une très, très bonne année de coloriage 2022 grâce à vous. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier et je voulais faire du coup cette vidéo pour terminer et commencer l'année voilà, avec une petite vidéo blabla tranquille pour que voilà, pour remettre un petit peu vous raconter un petit peu ma vie, vous dire où j'en suis, etc. Parce que du coup sur le mois de décembre j'ai pas pu beaucoup filmer parce que je n'ai fait que travailler. Voilà, vraiment je n'ai fait que ça, j'ai pas arrêté, donc j'ai juste pas eu le temps en fait. J'ai pas eu le temps et j'ai aussi eu une petite baisse de morale là au milieu du mois de décembre qui était un peu compliqué. Donc j'ai pas, voilà, j'avais pas trop la tête à colorier. Pour ton coloriage ça me fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que quand j'ai des phases où ça va pas trop, j'ai du mal à m'y mettre, à me motiver, etc. Et donc voilà, surtout que là j'étais très fatiguée, donc j'ai pas beaucoup colorié, j'ai pas filmé de vidéo, enfin c'était pas, voilà, c'était pas très riche niveau contenu, niveau YouTube et tout, mais je voulais quand même vous remercier parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta voyant que je postais plus trop, etc., pour savoir si ça allait. Enfin voilà, vous avez été vraiment hyper bienveillant avec moi, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Donc je vais colorier mon petit écureuil. Alors je fais un effet poil sans faire d'effet poil, hein, c'est un peu le même genre que mon chat dans le Summer Night qu'on a fait dans le vlog la dernière fois. Je fais des traits dans tous les sens et puis on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, oui, dans cette vidéo, je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi, vous raconter un peu mes projets pour l'année qui arrive, et puis voilà, faire une petite vidéo blabla que vous allez pouvoir regarder tranquillement pour vous remettre de votre 31 décembre bien arrosé. Je vous vois derrière votre écran, affalé sur le canapé avec des chocobons. Moi ce soir je fais pas grand chose, avec mon chéri on va manger avec mon père des trucs de chez Picard, voilà. Pain surprise de chez Picard, les petits burgers, les trucs, les machins. Et après on va voir Avatar au cinéma, voilà. Franchement moi le 31 décembre ça a jamais été un truc, même quand j'étais petite j'en ai rien à... voilà. Vraiment ça me... Alors autant Noël oui, mais alors autant le jour de l'an j'ai jamais... Enfin... Ça m'a jamais hypé quoi, j'ai jamais... voilà. Puis moi je sors très très peu, je ne bois pas, je... Voilà, donc c'est pas un truc qui me... J'ai jamais trop aimé faire le nouvel an avec mes copines ou quoi, donc là ça me va très bien. On va avoir Avatar, on va manger un pain surprise trop bon de chez Picard, ça va être parfait. Et puis voilà, et comme ça demain, eh bien ce sera une journée normale pour moi, je ne serai pas en train de comater comme la plupart des gens qui sont en train de regarder cette vidéo. J'arrête de moquer de vous, promis. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Eh ben, il s'est passé plein de trucs, mais plein de trucs pas forcément hyper cool. J'avais fait un petit post sur Insta, disons que j'étais pas trop présente parce que j'avais pas trop le moral et que c'était pas, voilà, que c'était pas la joie. Je vous le raconte parce que vous allez voir qu'au final ça se finit plutôt bien pour moi, mais il y a eu un moment où vraiment j'y croyais plus. Je me suis dit, je sais pas, j'ai dû écraser un chat sans le vouloir, le karma se venge, je sais pas, il m'arrivait crotte sur crotte sur crotte. Donc ouais, niveau moral c'était un peu compliqué à gérer. Pour vous donner une idée, j'ai passé mon contrôle technique au mois... Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le coloriage. Hein. J'ai passé mon contrôle technique au mois de... Au mois de quoi? Au mois de novembre, ma voiture passait pas. Donc il fallait que je la remène au garage là au mois de décembre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée une semaine à pied. À peine je récupère ma voiture, paf, attention, la biellette d'accessoires. Je suis sûre que vous savez tous ce que c'est. Qui tombe en panne. Enfin, qui casse, pardon. Qui décède clairement. C'est un truc d'usure qui pouvait pas tellement se prévoir. Donc bah, retour une semaine au garage. Donc j'ai été deux semaines sans voiture. Et bien sûr... la seule semaine depuis 10 ans où il a neigé. On n'a pas eu de neige depuis je sais pas combien d'années en Normandie. Et là,
le seul moment où il se met à neiger, j'ai pas de voiture. Alors j'aurais pas fait la maline en étant avec ma voiture sur la neige, mais j'aurais, je pense que j'aurais quand même préféré plutôt que d'être à pied et de risquer de me casser la une jambe à chaque pas. Mais bon voilà, donc pas de voiture. Et puis forcément ça m'a coûté hyper cher, donc bah c'était pas le moment quoi, entre les cadeaux de Noël et tout, donc c'était un peu... C'était un peu compliqué. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien, au travail, je vous cache pas que ça a été très compliqué là, le mois de décembre. Et c'est toujours un petit peu flou pour moi, je vais vous raconter, mais ça se finit plutôt bien quand même, vous allez voir. En gros, je travaille pour une marque de prêt-à-porter française. Il y a des gens qui savent pour quelle marque je travaille. Merci de pas trop le dire en commentaire, parce que voilà, ça me gêne pas d'en papoter en privé et tout, mais là... sur YouTube, c'est un petit peu trop... comment, public, vous voyez. Voilà, donc je travaille pour une marque de vêtements que j'aime beaucoup. Et bah, j'avais quitté l'entreprise, j'y suis revenue tellement ça me plaisait. Donc enfin voilà, j'aime beaucoup mon travail. Et en fait, le problème, c'est qu'on a un magasin qui ferme. Alors l'entreprise se porte très bien, hein, c'est loin de fermer. Mais c'est juste que bah, y a des magasins qui marchent moins bien que d'autres. Et donc du coup on a un magasin qui ferme dans ma ville. Et donc du coup au lieu de faire des licenciements économiques, ils ont fait le choix de replacer les gens. Donc ce qui est très bien pour eux parce que du coup ils perdent pas leur travail. Sauf que les gens comme moi qui sont en CDD, eh bien nous ne sommes pas du tout prioritaires. Et donc bah, je dois laisser ma place tout simplement, voilà. Donc du coup mon contrat allait jusqu'au 27 janvier. Et au final mon contrat se termine le 30 janvier. 27 mai, pardon, et se termine au 30 janvier. Donc quand j'ai appris ça, je vous cache pas que j'étais pas très ravie, parce qu'en plus, bien sûr, on me l'a pas dit comme ça, on nous a pas tout dit d'un coup, enfin c'était très flou pendant tout le mois de décembre, ça a été extrêmement flou, et je peux vous dire que c'est compliqué d'être motivée à travailler, etc., quand bah, on sait pas quel va être notre avenir, quand tout est un peu flou, enfin... C'est vraiment compliqué à gérer mentalement, surtout que normalement nous on est une équipe de 4 et là avec ma collègue survivante on se retrouve à 2, voilà. Donc au mois de décembre j'ai enchaîné les semaines, normalement je suis en 35 heures, j'ai fait des semaines à 37, 39 ça va, mais j'ai aussi enchaîné des semaines à 42 voire même plus où je faisais 8h, 20h plusieurs jours d'affilée et je peux vous dire que ça dans le commerce c'est vraiment extrêmement fatigant. Donc ça a aussi été une des raisons pour lesquelles bah, j'ai pas trop filmé de vidéos coloriées. Parce que bah, je partais de chez moi à 8h, je rentrais à 20h, je m'écroule dans mon lit et ça s'arrête là quoi. Il n'y a plus de son, plus d'image. Et puis le lendemain on est reparti pour la même journée. Enfin voilà, j'étais au bout. Alors je dis pas, il y a des gens qui ont des métiers bien plus physiques que moi et bien plus compliqués que moi. Mais bah, chacun a sa source de fatigue, ses limites, etc. Et là pour le coup, moi ça m'a vraiment mis un coup. Puis enfin, forcément j'avais pas de voiture donc fallait que j'aille à pied, que je me lève plus tôt. Ensuite bah, je savais pas ce que j'allais faire de mon travail. Comme je vous ai dit, je suis dans une situation familiale qui est un petit peu compliquée. Ça pour le coup je le garde pour moi mais ouais, j'ai une situation familiale un peu complexe en ce moment. Donc psychologiquement des fois c'est compliqué. Enfin ça faisait beaucoup de trucs à gérer. Et y a un moment où je me suis demandé si j'allais y arriver parce que vraiment c'était chaud. Et au final, tout, enfin voilà, ma situation familiale, elle est un peu en dents de scie et là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, ma voiture, elle roule enfin, c'est bon, ça m'a coûté un bras, mais elle roule. au niveau du travail, bah écoutez, là, je viens de quitter une semaine à 32, à 42 heures, pardon. La semaine prochaine, waouh, wow, je fais que 39 heures. Donc ouais non c'est un peu sportif mais ça s'est remis et donc du coup pour moi professionnellement il y aura pas mal de changements en 2023 et c'est un mal pour un bien, vous allez voir que j'ai beaucoup stressé, je me suis posé beaucoup de questions pendant le mois de décembre et au final j'ai fait un choix qui je pense sera le mieux pour moi et on verra ce que ça donne mais je vous annonce que je vais signer un CDI enfin pour la même marque de vêtements donc je suis contente, je reste toujours dans la même entreprise, ça c'est un truc qui me plaît vachement mais je vais changer de magasin et je vais surtout changer de contrat, c'est à dire que je vais passer d'un CDD 35 heures à un CDI 24 heures, voilà, je vais être en temps partiel. Et pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, ou en tout cas qui me connaissent un petit peu ou qui ont un peu suivi mon parcours professionnel, avant de travailler dans la vente, enfin j'ai travaillé 2 ans dans la vente, ensuite j'ai fait une pause, et pendant cette pause-là, j'ai fait un CAP en ébénisterie. Et un de mes rêves professionnels et tout court, c'est de pouvoir vivre de mes meubles.
Quand j'ai fait mon CAP, j'ai découvert la rénovation de meubles et d'objets. C'est devenu une grosse passion pour moi. Vraiment, j'adorais ça. J'avais commencé à me faire une petite clientèle, etc. Et puis au final, j'ai dû me remettre à travailler parce que je ne me voyais pas vivre que de ça. Et puis en travaillant en 35 heures et même en 30 heures, c'était compliqué de trouver du temps pour faire les meubles. Donc du coup, j'espère que vous voyez bien depuis le début que je suis pas trop hors du cadre. Mais bref, du coup, j'avais mis un peu cette histoire de côté parce que j'avais un travail qui me prenait plus de temps et que je m'en sortais bien financièrement comme ça et ça m'allait bien. Mais du coup, là, j'ai eu cette opportunité de prendre ce CDI en 24 heures dans un autre magasin et qui reste assez proche de chez moi, etc. Donc c'est une proposition qui m'allait plutôt bien. Et du coup, je vais officiellement me lancer dans mes meubles à temps partiel. Donc du coup, je vais travailler 24 heures par semaine dans le magasin, ce qui va me permettre d'avoir un revenu fixe chaque mois. Et le reste du temps, eh bien, je vais le partager entre ma rénovation de meubles et puis YouTube, mes passions, etc. Voilà, je vais partager mon temps qui va me rester entre du côté pro et puis du côté un peu plus loisirs créatifs, etc. Je vais aussi essayer de développer un peu plus ma chaîne YouTube, pouvoir faire plus de vidéos, etc. Essayer de vous sortir au moins 2 vidéos par semaine parce que, comme vous le savez sûrement, je vous le dis à chaque fois, c'est pas une surprise, hein, mais ma chaîne YouTube, elle est monétisée. Donc plus je vais poster de vidéos, plus je peux potentiellement gagner de l'argent. Alors je vous dis pas que je vais gagner de l'argent, que je vais payer mon loyer avec mes vidéos YouTube de coloriage, loin de là, et puis c'est pas du tout mon but, mais écoutez, si ça peut aussi me faire un petit complément de temps en temps, je prends, hein, forcément. Donc voilà, mais vraiment mon but pour 2023, ça va être de pouvoir m'épanouir un petit peu sur ce plan-là professionnel, voir ce que ça peut donner de faire mes meubles, et de me challenger, d'avoir des petits objectifs pour pouvoir compléter mes revenus avec mon CDI, et puis voilà, donc je suis vraiment très très heureuse de pouvoir faire ça. Je réalise pas trop encore parce que j'ai pas encore démarré toutes les démarches administratives pour pouvoir créer l'entreprise, etc. Je me suis déjà beaucoup renseignée, je sais exactement quoi faire. Si Amandine Young passe par là, cœur sur toi, vraiment, parce que je vous le dis, mais Amandine, ça a été une de mes meilleures rencontres sur l'année 2022, et j'ai eu la chance de la rencontrer du coup cet été, et je peux vous dire qu'il y a vraiment eu un changement comme ça de ma vision de ma vie professionnelle, etc. Et c'est vraiment grâce à elle que je peux vous dire aujourd'hui que je vais me lancer enfin dans ce projet-là et dans cette passion-là. Donc si jamais ou grand jamais tu passes par là, gros cœur sur toi. Après, elle est au courant, on discute et tout, et elle m'aide beaucoup sur ce point-là, mais voilà, donc je vais me lancer. J'ai déjà le nom de mon entreprise, j'ai déjà tout. La seule petite difficulté que je vais avoir, c'est que pour faire mes meubles, j'ai besoin de place, tout simplement. Et je vis dans un 50 mètres carrés. Donc il y a ce petit paramètre-là qu'il va falloir mettre en place. Je vais pouvoir faire mes meubles chez mes parents jusque fin février. Après, ils vont déménager, ça va être différent. Mais jusqu'à fin février, je pourrais vider leur garage, n'est-ce pas? Parce que mes parents déménagent, donc faut que je vide le garage où j'ai déjà pas mal de meubles que j'avais gardés de quand je faisais... quand je rénovais des meubles, etc. Donc j'en ai plusieurs, j'ai des projets où j'avais des idées en tête, etc. que je vais pouvoir faire. Donc déjà le but, ça va être de vider le garage et de vendre ces meubles là pour leur déménagement. Et ensuite, autre projet du coup de l'année, ça va être de déménager avec mon chéri. On s'était dit qu'on achèterait peut-être bien cette année, puis au final, je vous cache pas que vu le contexte, etc., je vois comment c'est compliqué avec mes parents et tout, pour emprunter de l'argent, c'est une catastrophe. Donc pour le moment, on va profiter qu'on soit en CDI tous les deux pour déménager juste en louant, et puis on verra pour acheter sûrement 2024 ou 2025, on verra, on n'est pas pressé. Mais voilà, donc déjà... deux objectifs, déjà de me lancer bien professionnellement dans mes meubles et puis de déménager pour justement que ça suive un petit peu ça, puis pour qu'on soit un peu plus à l'aise. On aimerait bien avoir déjà 2 chambres pour pouvoir avoir un bureau quoi, voilà. Donc voilà, au niveau professionnel c'est plutôt cool.
c'est plutôt cool, mais bah, y a eu une phase où c'était pas cool. Une phase où je me suis dit, ça pue, comment je vais faire quoi? Après, honnêtement, professionnellement, j'ai toujours eu ce que je voulais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que quand j'ai voulu me lancer, enfin, quand j'ai voulu avoir un job étudiant, je l'ai eu. Quand j'ai voulu passer en 35 heures, j'ai pu. Enfin, j'ai toujours eu ce que je voulais professionnellement parlant. Là, je me suis dit, bah, si je trouve un plein temps, je le prends. Si je trouve un mi-temps, je me lance dans mes meubles. Paf, en une semaine, j'avais trouvé un mi-temps. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu ce que je voulais professionnellement. Donc, même si mes meubles, ça fonctionne pas, ce sera pas un échec. Ce sera, voilà, j'aurais essayé et je pourrais dire que j'aurais essayé et je saurais quoi faire si jamais j'ai envie de retenter. Je sais, je saurais ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis si jamais bah, j'ai besoin d'un plein temps, bah, je sais très bien que je mettrai pas longtemps à retrouver, en tout cas dans la branche dans laquelle je suis, dans la vente, il y a toujours de la place pour beaucoup, beaucoup de gens qui recrutent, etc. J'ai de l'expérience, donc je sais que je serai pas perdue sous un pont. Mais voilà, mes petites news à ce niveau-là. Sinon, bah, j'ai passé un très bon Noël. J'espère que vous aussi, que vous avez été gâtés. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient eu des trucs de colo et tout. Donc, trop contente pour vous. Voilà, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, que vous avez passé un bon moment avec votre famille. Et puis que votre nouvel an aussi s'est bien passé. Moi, du coup, niveau cadeau, j'ai rien eu en rapport avec le colo. J'ai eu mon cadeau de moi à moi, c'est le livre d'Amandine, du coup. Et je me suis commandé la box complète. La fangirl, je me suis commandé la box avec l'aquarelle, etc. Et c'est censé partir le 4 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc je devrais pas tarder à l'avoir et j'ai trop trop hâte. Mais sinon, j'avais rien demandé niveau colo. J'avais été faire mes ongles. Waouh! Vous allez avoir de belles mains maintenant, parce que j'ai pris la résolution de me faire les ongles tous les mois. Donc voilà, vous allez avoir de belles mains. Au revoir les knacky balls. Bonjour les faux ongles. Voilà, j'avais fait ça pour les fêtes, puis ça m'a fait du bien de prendre un peu de temps pour moi et d'aller me faire faire les ongles. Sinon, j'ai été très très gâtée, j'ai eu des Legos surtout. Avec mon copain, ma tante nous a offert des Legos, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas trop colorié. C'est que là, ça fait plusieurs soirs qu'avec mon copain, on se pose devant Grey's Anatomy ou Netflix et puis qu'on fait des Legos, donc il y a eu ça aussi. Voilà, et puis sinon, il y en a certaines qui sont déjà au courant, mais alors je peux pas trop me la péter parce que je n'ai pas l'objet en question. Mais vous allez bientôt pouvoir m'appeler madame. Il manque une bague ici. Je suis trop contente. Voilà, vous allez bientôt pouvoir m'appeler madame, puisque mon chéri m'a fait sa demande. Donc je suis fiancée. Voilà. Donc autre projet de l'année 2023. Déjà on va se paxer et puis on va regarder un petit peu pour le mariage, les dates, etc. Puisque il y a eu tellement... Enfin... Là, pour vous donner une idée, je crois que où j'habite, pour avoir une date à la mairie, il faut attendre un mois et demi, quoi. Donc, voilà. Mais vous allez bientôt avoir la bague débarquée. Elle était trop grande, donc du coup, on a dû aller la changer à la bijouterie. Donc, elle devrait arriver là d'ici une semaine ou deux. Mais vous allez bientôt voir la bague. Et croyez-moi que je vais me la péter quand je l'aurai. Mais voilà. Et puis sinon, mon chéri m'a aussi offert ces deux bagues-là. C'est des bagues voilà, en acier inoxydable. C'est rien de... Elles sont très très jolies, mais c'est pas de la marque ou quoi, hein. Voilà, c'est des petites bagues fantasy comme ça, mais voilà, donc écoutez, j'ai eu un très très beau cadeau de la part de mon chéri, je m'y attendais pas vraiment, on avait déjà discuté un peu, mais voilà, je m'y attendais pas, puis c'est un trop beau cadeau de Noël, je trouve, enfin bref, très très contente. Et puis j'ai eu quoi, mon père m'a offert des baskets, des nonnets, ma mère m'a offert des vêtements, enfin voilà, j'ai été très gâtée, donc j'ai passé un très bon Noël. J'appréhendais pas mal par rapport à ma situation familiale, mais ça s'est très bien passé. Et puis là du coup, nouvel an, comme je vous l'ai dit, c'est pas la fête du siècle pour moi. Je vais aller manger mon petit pain surprise chez mon papa de chez Picard, et puis après on va voir Avatar au cinéma, ce sera très bien. Voilà, voilà. Sinon, bah, niveau projet pour 2023, comme je vous l'ai dit, bah, ça va surtout être projet professionnel, déménager. Niveau YouTube, coloriage, etc., j'ai pas encore trop regardé au niveau de mes objectifs parce que bah, j'ai pas eu le temps. Là, vous voyez, ce matin, j'ai pu colorier un petit peu parce que j'avais une toute petite journée aujourd'hui, le 31. On n'a pas eu grand monde, donc voilà, j'avais pas une grosse journée aujourd'hui comparée à mes journées de 11h du reste de la semaine. Donc, j'ai pu terminer un spooky girl que j'avais. Et là, du coup, je me suis juste mise à faire ça. Donc, j'ai pas encore eu le temps de regarder pour mes colos terminés du mois de décembre, ni pour mes objectifs, etc. Mais en tout cas, niveau YouTube, pour le mois qui arrive, bah déjà, faut que je vous sorte ma vidéo des colos terminés. Ensuite, la vidéo bilan et objectif pour l'année à venir. Ensuite, j'aurais beaucoup aimé vous faire tous mes livres de coloriage et tous mes collages réalisés à l'intérieur, mais je pense que je vais attendre que Maeva sorte ses vidéos et que je les sortirai après,
parce que sinon ça risque de faire un peu doublon et un peu beaucoup pour vous, donc voilà, c'est pas pressé. Si je fais ça qu'au mois de février, il n'y a pas d'urgence. J'ai prévu un concours aussi qu'il faut que j'organise. Je m'étais dit que j'allais faire ça au mois de décembre parce qu'à la base je devais avoir le temps, et puis au final absolument pas, donc ça c'est toujours un stand-by, mais j'ai un projet au concours plutôt sympa, donc ça va venir. J'aimerais toujours continuer à vous faire des vlogs, des tags. D'ailleurs j'ai créé mon propre tag que j'ai dans les tuyaux depuis le mois d'octobre pour vous dire, mais il y a toujours eu une vidéo qui est passée avant ou un autre tag qui est sorti, du coup je voulais attendre, et puis au final je l'ai jamais sorti, donc ça va sortir là bientôt. Voilà, sinon plein de petites choses comme ça, et puis on verra ce qui se fera ou pas, mais voilà mes petites nouvelles pour ce mois de décembre un peu chaotique, les bonnes nouvelles, des projets qui arrivent, et puis voilà, puis j'en profite une fois de plus pour vous remercier du fond du cœur, vraiment je vous remercie vraiment pour tout, pour tous vos commentaires, toutes les personnes qui sont là sous chacune de mes vidéos, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, toutes les personnes à qui j'ai fait des duos, enfin voilà, même les abonnés fantômes, voilà, qui regardent mais qui commentent pas forcément à chaque fois, merci juste de prendre le temps de regarder mes petites vidéos, et voilà, j'espère que vous trouvez toujours votre compte et que tout vous plaît, encore. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier pour l'année, mais voilà. Bah écoutez, je pense que mon écureuil est pas trop mal. Alors c'est pas de l'effet poil de fifou, hein, c'est pas voilà, mais je le trouve pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des artistes roses. Je crois que je vais prendre cette couleur et je vais prendre celui-là. Je vais éviter de faire ça en vidéo, mais du coup je vais repasser un peu les contours et puis je vais refaire des poils. Je vais pas le faire en vidéo parce que sinon je vais passer 40 ans à secouer mes trucs et c'est pas le but, mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo Color & Chat vous aura plu, plein de bonnes nouvelles, je vais me marier, je le répète. Comment je me la pète, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore désolée de ne pas avoir été présente sur le mois de décembre, mais je pouvais pas tout faire, j'étais vraiment trop fatiguée et voilà, j'étais pas non plus vraiment dans mon assiette, donc c'était un peu compliqué, mais l'année se finit bien pour moi et je suis motivée vraiment pour le colo, pour les vidéos, pour pouvoir vous proposer plein de petites choses, donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir et que vous serez toujours au rendez-vous. Sur ce, je vous remercie encore mille fois d'être présent pour moi sur YouTube, sur Insta, en commentaire, en message privé, pour tout ce que vous faites pour moi, c'est énorme, donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.